Salut à tous et à toutes, c'est Chédofrix. Aujourd'hui, on se retrouve pour un mini pas let's play, mais un peu dans le même style, où nous allons faire des photos Pokémon. J'espère que cette mini-série, oui, on va appeler ça comme ça, une série, cette série vous plaira. C'est personnellement le truc que je voudrais faire. Bon, Pikachu, je pense que pour toi, le fond d'écran, enfin l'écran au fond est évident. Toi, ça va risque d'être la plaine des Pikachu, mais je sais pas où il est. Non, perso, je sais pas où elle est, la plaine des Pikachu. Je pense que ça pas l'enregistrer. Ouais, non, apparemment, la plaine des Pikachu n'a pas été enregistrée. On va te mettre au pied du maître. Voilà, on va mettre uniquement. Voilà, on va faire vêtements tenues personnalisées. Non, je vais mettre mon costume maintenant. Modèle Pikachu, on va mettre que Pikachu. Voilà, voyons voir plutôt ça, plutôt Pikachu par là. Fermé, voilà. C'est un petit let's play que je voulais faire avec vous, tout simplement parce que je trouve que c'est un petit. Voilà. Il manque plus que le décor. Non, le décor, ce sera quand j'aurai fait le truc. Voilà. C'est parfait. Voilà. On va prendre cette photo-là. Voilà. J'en ai sauvegardé une. On va. Yuki Senpai a l'air d'aimer. Alors, on va préparer à nouveau une séance. Mais cette fois, on va prendre que le Pokémon seul et on va choisir un autre Pokémon. On va prendre Mamoshu. Mamoshu. Bien évidemment, dans la grotte gelée. Continuer. On va préparer.
Voilà, désolé si je parle pas beaucoup. Voilà. Voilà, parfait. On va prendre cette photo-là. Donnant votre résultat après, désolé si je parle pas beaucoup, mais quand on est photographe, il faut apprendre à rester concentré sur le sujet. Non, pas maintenant. Je vais faire un présent sur. Voilà. On va prendre des photos en mode normal, comme ça. Pas top modèle, donc prêt à poser. Bon, ça ne sera pas avec Yuki Senpai, ce sera avec Horikoncept. Voilà, alors on va je réessayer ben ça. Ok, tac. Vas-y, fais le mouvement. Ah mince, raté. Hop, allez, vas-y. Cœur. Voilà. Ok, il n'y a rien d'autre à refaire. Juste à part ça, voilà. Peut-être augmenter un peu comme ça. Voilà. Alors là, il y en a deux qu'on pourrait faire. Voilà. A l'air satisfait. Merci pour les bons aides. On va préparer une nouvelle séance avec cette fois Denticris. Non, cette fois, non, on va plutôt terminer. Non. Merci. On va faire cette fois des photos à la mode. Top modèle. Des photos top modèle, ça va être bien. On va prendre Denticris. Denticris, on va prendre la plage des Kaika. Ça devrait être un bon environnement. Prendre Marine. Ok, c'est bon.
Et voilà, on va faire une action. Non, vas-y. Vas-y, je sais qu'à un moment tu peux sauter. Bon, allez. Ok, on va faire confirmer. Attendez, on va voir ce qu'il fait. Deux ondes. Ouais, on ne change pas. Et voilà. Le petit Chris a l'air super content, merci. On va changer cette fois avec Logpin. Magnifique Logpin. Cette fois, je vais te mettre, toi, je vais te mettre sous les feux de la rampe. On va mettre que le Pokémon seul. Voilà. Non, plutôt en mode Pokédétente. Mais attends, on va voir ce qu'il peut faire. Est-ce qu'elle fait quand on ne touche pas? Vas-y. Oui, c'est bon, ça c'est une pause parfaite. Parfait. On va garder que celle que je viens de prendre. A l'air de rougir. Désolé si je parle pas, mais en même temps, quand on se concentre, quand on fait des photos, il faut bien se concentrer. Pokémon seul avec le dresseur. Voilà. Mickey, oui. Oui, sous les feux de la rampe, on va laisser. On va faire comme ça. On va faire tenue normale. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire si ce mini let's play vous aussi, ce, oui, mini let's play, on va rappeler ça entre autres, vous plaît.
Ok, voilà, on va faire ça comme ça. Celle-là, elle est parfaite. Mickey a l'air satisfait. Merci. Allez, on va retoucher toutes les photos et la vidéo se terminera. Oui. Alors n'hésitez pas à me dire si vous trouvez les photos magnifiques et en même temps leur ajustement avec les autocollants super. Voilà, on va mettre les autocollants. Alors comme lui c'est un petit Pikachu, on va le mettre le décor Pikachu. Non, peut-être pas. Ce décor m'a l'air plutôt pas mal. Oui, on va voir. Et on va mettre ça. Ok. J'ai toujours en fait eu une âme photogénique, vous voyez. Du coup, j'adore faire des photos. Voilà. Voyons. Voilà. Ok. Je suis désolé si vous trouvez que je mets trop de temps à faire, mais bon, c'est comme ça, hein, j'y peux rien. Bon. Et je suis en même temps que vous ne mettrez pas beaucoup de pouces bleus parce que je sais très bien que cette vidéo pour vous elle est nulle. Mais bon, je fais un peu comme je peux, punaise. Si je fais tout pour que vous ayez de bons trucs, si vous voulez pas être. Vous voulez pas me remercier en. Parce que je fais pour vous, hein, et ben, vous savez quoi? Désabonnez-vous, hein, moi j'ai rien à faire. Hein. C'est dingue comme les gens peuvent être si, comment on dit, si radins. Fait plein de choses pour eux et ils donnent rien en retour. Voilà. On va modifier celui-là. Alors, on va mettre. Voilà. Non, peut-être pas ce décor. On va plutôt mettre ce décor-là. Voilà. On va faire ça.
Non. Voilà, ça c'est parfait. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, comme je le répète. Je sais que je vais vous répéter. Voilà. On copie. Franchement, je pense que c'est pas long à faire. Après, ajuster les photos et prendre et les prendre, ça c'est encore à la limite, ça prend du temps. Ok. Bon, ça va être rapide et j'ai déjà tout trouvé. Voilà. Voilà, il ne manque plus qu'un truc et ça devrait être bon.
Allez, on va faire celle-là. Là, ça va aller plus vite que prévu. Et là, ça devrait être bon. Voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est ça, je vais mettre. Ça, j'ai plus qu'à mettre ça là. Ah, je peux encore mettre un truc. Voilà. C'est bon, ça c'est fait. Je suis désolé si franchement cette vidéo ne vous intéresse pas. D'ailleurs, dites-le moi si vous en êtes encore arrivé à là. De toute façon, j'ai bientôt fini. J'ai franchement que la vidéo, elle aura zéro vue, elle aura à peine deux vues. Parce que je connais à quel point, je connais la radinerie des gens. La radinerie des gens, ça je le connais.
voyons voir. On sauvegarde. Alors, dites-moi toujours si cette vidéo vous plaît. Alors là, on va passer à l'avant-dernière photo. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me le dire. De toute façon. On va choisir un décor. Allez, ça c'est bon. Allez, dernier autocollant et on a fini. Ok, et là c'est. On va mettre là. Voilà, c'est bon. Et en tout cas, les gens, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolé de ne pas avoir beaucoup parlé, mais bon, quand on crée des photos et qu'on les modifie pour les rendre beaucoup plus belles, je pense qu'il faut vraiment avoir de la patience et éviter de beaucoup parler, sinon eh ben ça casse tout, hein. Ça casse tout, j'ai pas d'autres trucs. Bon, ça c'est les photos que je pourrais. Je vais tous les mettre en favori. Voilà. Et je vais partager celle-là. Et je vais vous lancer comme défi de me dire où se trouve le Pokémon, c'est-à-dire où se trouve Cocombaf. Ce sera le petit défi de la soirée, du jour. Trouvez Cocombaf. Si vous trouvez à chaque fois, vous aurez le droit de gagner un Shiny, mais un seul. Un seul, ou alors gagner un coup, vous avez le droit de me combattre. À vous de me dire. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à vous tous. Ou bonne journée, ça dépend à quelle heure quand est-ce que vous regardez. Et on se dit à la prochaine pour la suite. Bye tout le monde!